Moi, c'était un matériau. Quand j'étais petite, je faisais des poèmes, comme vous dites, des dessins ou de la paternité. C'est un rapport qui était très organique et très unique. Plus vous connaissez le mot et plus vous pouvez vous exprimer, plus vous pouvez vous défendre, plus vous pouvez rêver, croire. Je crois que vous avez les mots. Et moi, vous aurez de mots à soigner. Oh. Quel poème! Il n'y a que des crevards! On se fait par la douce! C'était vraiment l'émotion. Moi, je l'ai touché avec mon doigt. Oh! Il était incroyable! On a gagné! Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, en exclusivité aujourd'hui pour vous au théâtre de la Tour Eiffel, le à un match d'improvisation littéraire, mais pas n'importe quel match d'improvisation littéraire, mesdames et messieurs, puisque vous assistez cet après-midi, eh bien, à la finale du trophée du Chaos des mots. Hier, dans ce même théâtre, il y a eu des demi-finales, 6 équipes se sont affrontées et il n'en reste que 2 cet après-midi. Public, votre vote! Vous n'allez pas seulement être spectateur. Vous allez devoir voter et à la fin de ce spectacle, élire votre équipe championne toute catégorie du trophée Chaos des mots. Des savons et des vrais canards dans un lac. J'ai eu une prise de panique. Je pris mon ours et je lui posa des questions sur ma vie. Et alors, on s'attrape prêt ! 5, 4, 3, 2, 1. Car, je l'ai entendu, quand j'ai voyagé en de l'imaginaire. C'est du plastique, c'est pas de la vitre. Ben oui. Ah, je les adore. C'est mes préférés. C'est Samy. N'hésitez pas à venir récupérer votre prix, c'est le vôtre, n'hésitez pas. Je vois qu'avec des fautes, on peut avancer. Et c'est ça qui est beau. Moi, comme je l'ai dit, je suis dyslexique et j'en ai pas honte. Et franchement, je me dis que si j'avais un spectacle comme ça quand j'étais en 6e, bah, je pense que j'aurais été encore plus fort aujourd'hui. 1, 2, 3! Je vais faire une bain.